C'est parti! Couche de tan, c'est ma coach qui va me tanner. J'ai tout ce qu'il faut. Ensuite, je mettrai ce grand t-shirt parce qu'en fait, il faut pas quelque chose qui serre après avoir mis une tan, sinon ça fait des traces. Donc, ce grand t-shirt fera l'affaire. Tu couches, moi j'adore. Moi, j'adore tes vidéos. Merci. Faites des lives. Sur ton cardio, pour le cardio des autres. Ah ouais. On fait un cardio tout ensemble. C'est plus de l'ASMR, c'est juste du cardio live. C'est un concept, moi, je pense. Coucou Florine. Hello. Coucou. Alors j'ai fait une tâche de... On recommence. Coucou. J'ai fait une première couche de tan tout à l'heure vers 22h. Ensuite j'ai attendu une heure que ça pose. J'ai rincé et on a refait une deuxième couche. Et là il est un peu plus de 23h et je vais aller me coucher. Je suis tellement... Je sais même plus quoi penser en fait parce que... J'ai trop d'émotions pour demain. Alors j'ai trop hâte. Je réalise pas que c'est demain. Après en avoir parlé de cette compétition depuis des années, je réalise pas. En même temps, je stresse un peu de me dire que je vais être sur scène en maillot. Enfin, après je me dis qu'en même temps, j'ai tellement travaillé ma routine dans ma tête et tout que bah, tout va bien se passer. Enfin bon, vous voyez, c'est bordel. Donc on va essayer de dormir. J'ai pris du CBD pour m'aider à dormir et puis... Puis voilà, j'ai faim. Demain, le plan, c'est juste de manger mon petit-déj et c'est tout. Sachant que je passe le soir et que les glucides, vous savez, ça ne me réussit pas. On va faire des mini-recharges, mais en gros, demain, petit-déj, and that's it. Bonne nuit! Just to say how much you mean to me. What would you do if I told you you're beautiful? It's your day. It's your day. I can't date me on the regular. Tell me what you. Well, baby, I've been around the world, but I ain't seen myself another girl like you. This ring here represents my heart, but there's just one thing I need from you. Say I do. Because I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grassland side by side. You could be my baby. Coco. Hello, alors voilà, enchantée. Alors là, je viens de manger mon petit déj, comme je vous ai dit hier soir, c'est le seul truc que je vais manger aujourd'hui. Et après, je vais simplement faire des mini recharges de galettes de riz, banane, miel. Et je vais bientôt... En fait, il y a deux filles qui passent en junior, donc en début d'après-midi. Et on est quand même à une demi-heure de la compétition. Donc à mon avis, je vais passer la journée directement sur place parce que j'ai envie de voir les filles. Donc... Qu'est-ce que je vais dire? Ah ouais, donc là, je vais me préparer. Je vais faire mes cheveux, ensuite le tan, ensuite le make-up. C'est parti! My love, so don't give away my love, so don't give away my love, so don't
C'est que ma coupe de mousse en toilette là. C'est un caniche. Doudou, mais en tongue, quand même. La balle pour dire. La balle pour dire. Ça n'a plus aucun serveur, quoi. Après dans... Ah ouais, les gens ils suivent sur le métro. Ils suivent dans le métro, ouais. Coucou à la caméra! Bikini, moins d'un mètre 66, posez là, je vous rends la guerre courante. Un dernier mot, ma très chère. Ça arrive. Ça arrive. T'as hâte? J'ai hâte. T'es excitée? J'ai hâte de briller. Tu vas briller. Aussi brillamment que mon fils. Je lui rends honneur, enfin. Il a été bien trop longtemps mis dans sa boîte en cachette. Il est temps de lui rendre son honneur. Thank you.
350 pages de carnet Mathilde. Le numéro 0, merci pour votre prestation et nous vous retrouvons tout à l'heure pour la remise des résultats. T'as déjà gagné en réalité. À la quatrième place de cette catégorie, le numéro 350.
catégorie bikini moins d'un mètre 72 avec à la quatrième place le numéro 350 de carnet Mathilde. À la troisième place le numéro 352 Mathieu. Le coup. Ah, ils ont intérêt d'être bons parce que sinon on va avoir la tête instant. Hein. Après 6 mois. Merci. Il n'y a pas assez de chocolat. Hein. Oh merde, je suis allé voir sa tête. Elle pleure. Attends, moi aussi je veux pleurer. Moi aussi je veux pleurer. Attends, je prends vidéo. C'est l'avantage sur découvrir les saveurs en fait. C'est pas mal, hein? C'est bon, monsieur. Oh putain. T'as pas entendu. Je fais du télétravail pour bronzer. Et j'aurai 4 jours de mariage. Coucou, je vous reprends au lendemain de la compétition. Putain, mais les taches de tan. Alors non, ce n'est pas des poils. C'est bel et bien le tan comme vous pouvez le voir. Donc là, il y a toutes les filles qui sont parties. On est encore là avec mon amoureux. Puis on va bientôt partir du Airbnb qui était d'ailleurs super cool. J'ai pas fait de room tour, mais je pense que vous avez vu des stories. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, c'est le moment de le faire pour ne rien louper. Petit retour sur la journée d'hier. C'était incroyable. Vraiment, vous avez vu, j'étais très très émue quand j'étais sur scène. Je me disais, j'y suis. Tu sais, j'étais en comparaison comme ça. J'étais genre, j'y suis. J'ai tellement imaginé ce moment 1000 fois dans ma tête que de me dire que j'y étais, j'avais envie de pleurer de joie en fait sur scène. C'était vraiment une sensation de ouf. Et j'avais très peur de perdre toute l'assurance que j'avais, genre de me décomposer sur place. Et en fait, pas du tout. Pour le coup, j'ai vraiment profité à fond. J'ai donné le meilleur de moi-même. Et je suis vraiment très, 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 très fière de ce que j'ai fait. Et après, je suis tombée sur un plateau avec des filles qui avaient pas mal de niveau. Donc quand j'ai vu les filles, j'étais en mode, bon, bah, on va tout mettre sur le posing. C'est ce que j'ai fait. En effet, elles étaient beaucoup plus sèches que moi. Donc quand ils ont fait le classement à la quatrième place, en fait, je savais qu'ils allaient appeler mon numéro, donc j'ai même pas été vraiment surprise. Évidemment, j'aurais kiffé être deuxième, voire première, j'aurais trop aimé. Et non, je partais pas en mode loseuse, mais on va dire que j'étais quand même réaliste. Et sachant les classements que j'avais vus avant, ou qui étaient complètement parfois... Enfin voilà, c'était un peu bizarre, je me suis dit, bon, en fait, c'est tellement subjectif que je m'attends à rien. Et pour moi, le plus important, c'était que je profite vraiment sur scène et que je n'ai aucun regret. Et c'est le cas. Donc, vraiment trop heureuse. Et quand même, je participe à la finale de France puisque c'est normalement les 6 premières qui y participent. Et on n'était que 4. Donc, dans tous les cas, je participais à une deuxième scène. Et donc, c'est dans 2 semaines. Aujourd'hui, j'ai le droit à un cheat meal. Ah oui, du coup, je vous ai pas dit. Très lumineux. Hein. Hier, j'ai mangé 3 cookies, 2 cookies que ma sœur avait cuisiné qui étaient trop bons. J'en ai même pleuré, et j'ai pleuré de joie pour un cookie, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc j'ai mangé 3 cookies, j'ai mangé beaucoup de riz. Ma coach m'a dit tu manges à ta faim, donc j'ai mangé beaucoup de riz, un cheese naan et du poulet. En vrai, ça a été, j'étais quand même très raisonnable et j'ai quand même fait mon dessert de d'habitude, donc farine d'avoine, ouais, et un petit carré de chocolat. Donc on a estimé que j'ai mangé entre 2007 et 3000 calories parce que les cookies ça va quand même vite. Ce matin j'étais à 58 kilos donc 200 grammes de plus qu'hier. Ah oui, parce qu'hier du coup j'étais à 57,8 et franchement je me sens super bien, je regrette pas du tout, j'ai trop kiffé et j'ai quand même fait un bilan ce matin avec ma coach pour voir un peu les dégâts entre guillemets, enfin pas vraiment les dégâts mais plus pour voir comment mon corps avait réagi après autant de sucre. Et en vrai, j'ai un physique très très propre. Je vais vous mettre le bilan. Donc on est très contente. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vais m'enfiler une pizza ainsi qu'un dessert. Je ne sais pas ce que ça va être, mais j'ai hâte. Et à partir de demain, on reprend la diète. On reprend 1 heure de cardio. Enfin, ma coach va me faire le bilan. Donc je ne sais pas encore combien de cardio j'aurai. Enfin, ça va être minimum 1 heure, mais est-ce que j'en aurai plus, je ne sais pas. Donc la diète reprend à partir de demain, pour 2 semaines du coup, avant la finale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et on se revoit vite dans la prochaine vidéo. And remember, good vibes only. En Paris. T'as déjà regardé les vidéos de comment tu m'as dit elle se soulève. Oh mon dieu. Qui? Non vas-y mange, je te dirai après. Laissez-la manger sa première part. Putain. Tu vois, sa première part depuis 6 mois. Pour de vrai? Bah oui, évidemment. Première pizza depuis 6 mois. Bon, attends, tu coupes ça et là tu peux faire. Alors comment c'est? Elle va pleurer. Elle va pleurer, mais... Oh. C'est trop bon! Je pense que je préfère ceux qui sont fourrés. Ouais, c'est des beignets.